Plus de deux mois déjà qu'un délestage d'eau potable sème panique, désolation, tristesse et amertume dans les ménages à Akpakpa, dans le deuxième arrondissement de la ville économique. De Kondéou à Minochou, en passant par Yenawa, Kowegbou, Irédé, Sénandé et bien d'autres quartiers environnants, le constat reste le même. L'eau potable, un liquide précieux, source de vie, dit-on, est malheureusement la chose la plus rare dans la plupart des quartiers du deuxième arrondissement de Cotonou. Une situation de plus en plus insupportable pour une population très exaspérée qui exprime son ras-le-bol. Moi qui vous parle, Romain Fokwe, moi je suis à Yenawa. Dans le Akpakpa complet, il y a Kondéou, on ne trouve pas de l'eau. Yenawa, Djedje Laye, Gangodo, Minochou, Agbodjedo, Agbato, Rakome, etc. On ne trouve pas de l'eau potable à Akpakpa. Sans l'eau, on ne peut rien faire. Sans l'eau, on ne peut rien faire. C'est difficile depuis plus de 4 mois. On n'a pas l'eau. On ne sait pas ce qui se passe. Et les bodames souffrent. Ils font des distances pour aller prendre de l'eau. Donc nos enfants, pour aller à l'école, c'est difficile. L'eau depuis là, ce n'est pas bon. On n'a pas une... L'eau depuis là n'est pas propre. Donc nous avons les petits, nos enfants ont des infections. J'ai des cas palpables. Si c'est pas que les enfants sont allés à l'école, maintenant je vais vous montrer. Oui, sinon, Kabibayi et Magnon. Nous, on va faire des massimons. Ce qui se passe à Akpakpa, ce n'est pas bien. Ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas d'eau potable. Entre-temps, le Conseil des ministres a promis résoudre définitivement ce problème. Mais jusqu'à présent, rien. Il faut veiller pour prendre de l'eau et ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'avoir. Étant donné que nous sommes dans un bas-fond, à Cotonou, nous ne devrons pas normalement manquer d'eau potable. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement à Akpakpa? Il faut que nos dirigeants se penchent sur le sujet. L'eau est devenue ici, pour ses habitants, une denrée rare qu'il faut guetter en tout instant. Seuls les plus chanceux arrivent à y trouver un ou deux seaux par jour. Et pour y parvenir, il faut encore que ces derniers sacrifient leur sommeil et veillent toute la nuit durant, car comme la mort, nul ne sait quand le liquide précieux sera de passage dans les robinets. C'est horrible, vraiment, monsieur le journaliste. Vous voyez, avant que tu vas trouver de l'eau, il faut que tu te réveilles à 1h, à 2h d'abord. Quand tu te réveilles à 1h, 2h, tu ouvres l'eau, le robinet, l'eau ne sort pas. Tu vas rester là jusqu'à 3h du matin. Et ça sort comme de l'urine. Avant qu'un seau va se remplir, ça va faire 30 minutes. Vous voyez combien tu peux prendre avant le petit matin. Donc on ne dort pas. On ne dort plus. Nous ne savons pas ce qui se passe. Dans Akpakpa complet, moi je parle de Kondéou, il y a ce problème-là un peu partout, dans tous les arrondissements d'Akpakpa. On est obligé à 2h ou bien à 3h du matin de rester en éveil pour que le goutte d'eau ça sorte, pour qu'on difficilement on arrive à prendre un seau d'eau. Dans le cas contraire, on est obligé de prendre l'eau d'eau pure et de mettre l'eau de Javel dedans. Et si c'est difficilement que les enfants arrivent à boire ça, et puis on est obligé d'aller voir les gens qui vendent du Pyrota, on est obligé de payer les Pyrota pour faire les besoins à l'intérieur. Face à cette situation déjà très déplorable qui met au ralenti les activités domestiques et génératrices de revenus des habitants d'Akpakpa, certains d'entre eux trouvent encore leur compteur enlevé dans cette situation au non-règlement de factures, un fait qui fait actuellement monter plus encore la colère des usagers. Normalement, quand il n'y a pas l'eau, il n'y aura pas la facture. Pourquoi on nous amène la facture? Et on coupe les gens dans cette coupure-là aussi. Hein? Dans cette coupure-là, on coupe les gens encore. Il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice, vraiment. Vous-même voyez ce que nous disons. Il y a de l'injustice. Je suis victime et je connais le gars qui m'a coupé. Il travaille avec le chef agence. Je suis allé là-bas voir le chef coupu, je l'ai vu. C'est lui qui est en train de traiter les papiers. Et j'ai demandé le chef, ils ont dit que le chef est sorti. Et c'est lui qui est venu me couper. Je l'ai encore rencontré dans le bureau de chef coupu. Et il m'avait dit que vraiment, chaque fois là, il va venir me couper.
Depuis plus de 6 mois, on m'a coupé dans ma maison. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ses concitoyens appellent les voix les plus autorisées et les plus résonantes à s'élever enfin pour mettre fin à leur calvaire. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelqu'un qui est là aussi. Si il y a quelqu'un qui est là aussi. Nous supplions nos autorités de faire quelque chose pour atténuer notre souffrance. Sacrifier son sommeil, acquêter l'eau au robinet, c'est triste. Que les dirigeants nous viennent en aide, sinon, ce n'est pas bien. Nous exhortons ou nous demandons très respectueusement au DG de la SONEM, au ministre de l'énergie et de l'eau, de faire tout, de peser de tout leur poids. Pour nous, pour que nous trouvons de l'eau à Akpakpa. C'est pour ça que nous crions que le président Patrice Talon n'a qu'à appeler le ministre ou le DG d'aider les femmes. Si vous, il ne veut pas aider les hommes, d'aider les femmes. Parce que nous allons préparer, on va se laver, on va faire tout ce qui reste. Et vous connaissez déjà, ce n'est pas du tout bien, c'est horrible. Aidez-nous les autorités. Vivement que les échos de ces cris de cœur et de détresse résonnent jusqu'aux oreilles des autorités au plus haut niveau, pour le soulagement des populations d'Akpakpa.